Séquence face cam, première. La dernière fois, je réfléchissais comme ça tout seul, parce que j'ai pas d'amis, et je me disais, tiens, il y a plein d'inventions comme ça qui peuvent pas exister, mais qui pourtant seraient bien pratiques dans la vie de tous les jours. On pourrait appeler ça les inventions imaginaires. Par exemple, un truc qui serait pas mal, ça serait un bouton de volume, mais carrément sur les gens. Karim Benzema, c'est le meilleur buteur de tous les temps, il a marqué plein les buts avec l'équipe de France, Ricky marque avec le Real de Madrid, et là... Voilà, donc j'étais vraiment sur la piste en chasse-neige, tu sais. Tout le monde me mate, genre, lui, c'est pas ce qu'il est, tu vois. Laisse tomber, mon gars, je t'arrête. Ou alors, juste un mode silencieux sur les bébés. Allô? Une sorte de GPS qui te donnerait le meilleur chemin pour esquiver les gens relous. Dans 5 mètres, tournez à gauche pour esquiver Nicolas Corteau, le relou du collège qui va vous parler pendant 3 heures. Hé hey Norman, tu te rappelles de moi? Nicolas Corteau, 5ème D. Mais on était ensemble en cours, on sniffait nos proutes ensemble. Un simplificateur d'explications. Un truc qui simplifierait tous les trucs trop longs et trop chiants. En raison des ayants droit de votre contrat, si vous souscrivez à notre assurance, le taux d'intérêt sera indexé sur 2 ou 3% et pas... En gros, j'essaie de t'embrouiller pour que tu signes des trucs qui vont rapporter un maximum de thunes à ma boîte. Donc soit t'es un gros con et tu signes, soit t'es un petit peu malin et tu te casses. Et ben voilà, tout simplement. Une sorte de bracelet électrique à faible puissance, anti-moringard. Bon les mecs, ce soir on se fait une petite soirée à la One Again. Là, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout flagada. Oh non les mecs, qui m'a mis ça? C'est vraiment un truc de nulos. Ah, ça commence à me les briser menu, hein. Ah ok, j'ai compris, ok. Faut dire que des mots à la mode. Swag. Un anti-spoiler automatique. Tu regardes Walking Dead toi? Ouais, je suis à fond dedans en ce moment, j'adore cette série. J'ai eu le dernier épisode hier, c'est ouf. Y'a Glenn qui meurt, je m'y attendais pas du tout. Désolé, j'ai pas entendu. Oh non! Y'a Glenn qui meurt! Y'a Glenn qui meurt! Il meurt totalement, il décède! Une application qui serait un Shazam, mais des visages. Salut! Tu vas bien? Tu te rappelles de moi? Oui! Ouais. C'est Meuf relou ne jamais parler. Un truc qui serait très pratique pour nous les gens qui ont des cernes de 8 mètres, un anticipateur d'insomnie. Bon, bonne nuit tout le monde, je vais me coucher. Vous allez faire une insomnie de 2 heures en pensant à des trucs badants tels que votre ex, la mort ou encore au nombre d'entrées de votre film, pas très normal activité. Bon, en fait, je reste un petit peu avec vous. On se fait un Uno? Oh là, comment ça, c'est fou. Vas-y. Bonne nuit. Ou sinon, une sorte d'invention, on pourrait directement faire des screenshots, mais dans la vraie vie. Tu sais, un truc que tu kiffes, tu screens, direct, tu vois. Norman, ça existe déjà, ça s'appelle une photo. Hein? T'es hyper con, putain! Ce qui serait vraiment cool, ce serait une télécommande de télé parlante. Elle est où, putain? La télécommande, elle est où? Mec, psst, hé, je suis là! Ah, salut, ça va? Ouais, ça va, mais merde, ça fait 3 jours que je suis coincé derrière le coussin, et en plus, j'ai la voix de Eddie Murphy, merde! J'ai une petite question à te poser. Et ça va quoi en fait tous tes boutons là? Ah les boutons là? Je sais pas. Une sorte de radar qui te dirait directement où exactement dans le monde se trouve la femme de ta vie. Ah! Elle est par là. Hé hey, femme de ma vie, j'arrive! C'est donc elle! D'accord, donc une femme girafe. Tu sais quoi, je vais réinstaller Tinder. Ça serait génial s'ils arrivaient à inventer pour de vrai l'overboard. Norman, ça existe déjà en fait. Ah oui, il faudrait qu'on arrête aussi d'appeler les Segway sans guidon des overboard. Hein, c'est pas du tout pareil. Je suis désolé. Je peux essayer? Une fois, vas-y, pas ta pute! Un devinateur de cadeaux. Mon cœur, cette fois j'ai pas pu me tromper, c'est sûr, c'est exactement ce que tu veux. Mec, ah non mais alors là c'est parfait, merci. En plus lui il a plein d'options, je crois qu'il est mature, attentionné, il est paradin, il fait des efforts. Il fait des efforts, non mais c'est exactement ce que je voulais. Ouais je sais. Ah bah non. Ouais bah. Oh. Ah putain, ça me fait plaisir. Bonjour. Voilà, j'espère que vous avez kiffé mes petites inventions imaginaires. Alors certes j'ai pas d'amis mais au moins j'ai des idées inutiles. Je suis hyper content parce que vous êtes bientôt 7 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Ah, on est vraiment très bientôt, là, on est vraiment sur le fil. Merci beaucoup. Et au fait, qui dit 2016, dit... Je recommence la tournée des Zéniths avec mon spectacle Norman sur scène en 2016 dans toute l'Europe francophone, en France, en Suisse et en Belgique. J'ai déjà hâte d'y retourner, de vous revoir dans les Zéniths, ça va vraiment être cool.
À très bientôt, en vidéo ou en vrai. Ciao. Je panique l'ambiance, mais là il est pas tout à fait minuit. C'est l'heure de Paris. Et là, maintenant. Je crois qu'elle a adoré son cadeau, mon gars. Écoute. Ah, c'est bon. Je suis hyper content de moi pour une fois, ouais. J'ai assuré.